Bon, bah c'est bien. Hein? Encore une bonne réunion qui se termine. On peut y aller. Bonne soirée. Les mystères sont le mise. Oh, mais arrête avec cette devise toutes les deux minutes. Et puis tu la cries maintenant en plus. C'est vrai, vous en pensez quoi, vous? Soyez pas choqués comme ça. Je me suis emporté, mais est-ce que les mystères sont de mise? Ça veut vraiment dire quelque chose. Il est comme ça, lui. Ah, ok. Bien. Apparemment, quelqu'un a essayé de planter ce couteau dans mon dos. Sans cette armure de dragon, j'étais plus là. C'est officiellement une tentative de meurtre. Je pense que malheureusement, l'assassin est parmi vous. C'est ridicule, hein? Bah oui, c'est ridicule. C'est pas moi, hein? Il y a un moyen très simple de déterminer à qui appartient cette arme. Que chacun sorte son couteau! On est tous censés avoir un couteau. C'est la tradition, mais ça sert essentiellement pour la boue. Clarisse? Bah moi j'ai pas de couteau, je suis pas une sauvage. Bélire. Très bien. À présent, que chacun sorte son deuxième couteau. Quoi? J'ai pas de deuxième couteau. Bon, j'ai un deuxième couteau, mais c'est parce que le château est hyper dangereux aussi. Mais merde. C'était Bélire. Les autres avaient pas de mobile, il avait pas son deuxième couteau traditionnel, et aussi, il y avait son nom sur la lame. Je le savais depuis le début. Mais enfin! Mais je vous dis que c'est pas possible, je suis Daniel de Bélire, c'est moi le seigneur de château, le château que j'ai fait construire! Avant, on stockait du vin et des enclumes ici, c'est moi qui ai fait tout changer! Bonjour prisonnier, alors moi je préfère vous le dire tout de suite, hein. Vous avez pas intérêt à faire de conneries parce que si vous faites un truc contre moi, ça se retournera contre vous. Parce que moi je suis serf de château, donc quand je sortirai d'ici, j'oublierai pas. Ah oui, je parle vite, mais j'ai pas peur. Ah non, j'ai pas peur, c'est mon débit naturel, c'est à vous de vous adapter, moi je m'en fous. De toute façon, moi je vais pas rester ici très très longtemps, parce que moi à l'heure qu'il est, mes amis sont déjà en train de plaider pour ma défense. C'est un connard. C'est vrai, non? C'est un connard. Oui, mais en même temps, quel serait le meilleur châtiment pour la connarité? On veut pas qu'il souffre. Mais un peu de changement, ça ferait du bien quand même. Oui. Non, mais je crois qu'on se comprend tout à fait, hein. Vous voulez du changement, mais vous voulez pas qu'il souffre. C'est ça. Parfait. Bon, ne vous inquiétez pas, je serai clément avec Bélire. Homme de cachot, je sais que votre monde est plein de violence et de cruauté. Un univers plein de peur et de ténèbres. Ah, les préjugés, quoi. Bah, genre, on est des sauvages, le ouais, truc. C'est ça. C'est le cachot, les gars. Oui, non, mais ça va, on est civilisés, on est pas des bêtes non plus. Y a pas de... Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est incroyable, ça. Alors, oui, peut-être, parfois, ça arrive, s'il y a un feeling à la cool entre nous, bon, on galère, on se rend des petits services. Voilà, mais ça reste exceptionnel. Mm. Et fais attention, parce que je suis désolé, mais toi, avec tes clichés, eh ben, ça donne pas envie, voilà. Ouais. Demande rien, il se passera que dalle. Ouais, ouais. Je suis désolé, parce que je pensais que les conditions étaient hyper difficiles et... Ah ouais, non, par contre, ça c'est vrai que c'est horrible. Hein. Il fait froid, c'est humide, il n'y a rien à bouffer. On se fait tabasser tous les jours, on boit de la pisse. Mais c'est pour ça, faut être dans l'entraide, faut être copain, quoi. Waouh. C'est fort ça, me donne une leçon de vie, mais... Voir des illettrés réagir avec tant de noblesse, bah moi, ça me bouleverse. Ouais. Le mec, il a des pieds, mais tout propres, mais genre propres, ils sont blancs. Ouais. Des pieds blancs. Ouais, et genre, il a pas d'odeur, quoi. Genre, il sent rien. Ouais, je sais même pas où il est, des fois, dans la pièce. Il est là? Non. Ouais. Je crois qu'il m'aime bien. C'est la première fois que je me fais des potes aussi vite. Puis j'apprends plein de trucs. Tiens, par exemple, quand tu mets ta main devant la bouche, là, comme ça, et ben, ça veut dire que c'est gênant, ce que tu dis. Pareil que le nouveau seigneur, ça se pose pas super bien. Hein. Je pense que cette aventure va faire de moi un meilleur seigneur. Dès que je sortirai d'ici, je m'arrangerai pour leur offrir une couverture en plus. Et des chaussettes. Parce que ça pue. Bélire! Regardez qui voilà. Aïlis. Bonjour. Alors, comment ça se passe ici? Ça se passe super bien, figure-toi. Je me suis fait plein de nouveaux copains et on s'éclate comme des petits foufous. Ça
Ça sonnait sexuel ? Ah non, non, mais... Parce que c'est pas sexuel. Oui, oui, mais je juge pas. Non, mais ça aurait pu, hein. Oui, mais je peux pas rester longtemps, par contre. Ah ouais, pourquoi ? T'as d'autres potes à trahir ? Non, parce que ça sent mauvais. Du coup, ça te dérange pas, on finit la conversation dehors, c'est plus sympa. Oh, bah non, tu peux pas sortir ! Oh, bah oui, parce que t'es au cachot. Oh là là, t'es tellement au cachot. C'est puéril, ça ? Non. Ça, c'est puéril. Bien, après avoir beaucoup réfléchi et discuté avec les autres, voilà ta sentence, tu sortiras mardi. Ah. Ouais, parce que dans 2 jours il fera beau, et je veux qu'il y ait une belle lumière au moment où le peuple assistera à ton exécution.